Cinq ans, c'est le délai promis par Emmanuel Macron pour reconstruire la cathédrale Notre-Dame. Cependant, selon cette tribune publiée dans le Figaro par 1170 conservateurs, architectes et professeurs du monde entier, ce délai proposé par le président est trop ambitieux. Il faut laisser le temps du diagnostic aux historiens et aux experts avant de se prononcer sur l'avenir du monument. Nous savons que le calendrier politique demande d'agir vite. Néanmoins, ce qui va se passer à Notre-Dame dans les années à venir nous engage tous, bien au-delà de ce calendrier. À cela s'ajoute la diminution des crédits de paiement affectés à l'entretien des monuments historiques. Les alertes se multiplient sur l'insuffisance criante de ces budgets, obligeant à privilégier des travaux d'urgence tels que ceux qui se déroulaient à Notre-Dame, plutôt qu'une approche véritablement planifiée. Dans cette tribune, les professionnels du patrimoine demandent au président de ne pas se hâter. Il propose que des experts du ministère de la Culture soient consultés pour reconstruire le monument fort de 850 ans d'histoire.